commencer, je vais me présenter très rapidement. Moi, je suis autodidacte, hein, je fais du Java depuis 12 ans. Et je me passionne régulièrement sur tout ce qui est technologie NoSQL avec Spark, Cassandra, ce genre de choses. Et à part ça, j'ai cofondé une société qui distribue une solution logicielle qui permet d'implémenter des algorithmes génétiques. Et donc, je vais vous expliquer là dans cette présentation en quoi ça consiste. Donc déjà, est-ce que certains d'entre vous ont déjà entendu parler d'algorithmes génétiques? D'accord. Est-ce que vous en avez déjà codé? Voilà. C'est toujours comme ça. Donc, pour résumer un petit peu, les algorithmes génétiques, ils appartiennent à ce que l'on appelle les algorithmes évolutionnistes. On va voir tout de suite après en quoi ça consiste. Ils permettent en fait d'obtenir une solution approchée pour des problèmes où on recherche une solution optimale, où il n'y a pas de solution exacte. En fait, ça fait partie de la catégorie des méta-heuristiques, pour être précis. Il y a énormément de domaines d'application, donc ça va de l'astronautique au marketing à la biochimie. On va voir dans la suite deux cas. Le premier, il est inspiré d'un cas réel qui a été implémenté par la NASA, qui consiste à détecter des orbites de satellites. Donc nous, on va voir un exemple plus pédagogique et plus simple, qui est les smart rockets, vous allez voir. Et un deuxième cas d'application, c'est la détermination de meilleures implémentations de sites touristiques. Et donc là, on va prendre l'exemple d'une agence de location de voitures qui désire s'implanter sur le territoire français. Elle a plusieurs points d'intérêt possibles et elle veut savoir quelle est la meilleure répartition d'agences de location en France. Donc, comment ça se déroule un algorithme génétique? Donc, il y a toujours une première étape qui est la génération de la population initiale. En fait, la population initiale, c'est quoi? Chaque solution au problème va être modélisée par un individu qui possède un génome. Et ce génome, ça va être l'ensemble des caractéristiques de cet individu qui est donc propre au problème initial. Évidemment, ça peut dépendre complètement du problème donné, quel que soit le secteur d'activité. Donc en marketing, ça peut être par exemple des coûts par clic. Là, on va voir dans la suite des trajectoires de fusée. C'est vraiment chaque individu est propre au problème donné. Donc on va générer aléatoirement une population d'individus, donc un ensemble de solutions qu'on va évaluer au fil du temps. Donc on a cette population, on va l'évaluer la première fois. Donc on l'évalue comment? En fait, on va voir par la suite, on va implémenter une fonction, ce qu'on appelle une fonction de fitness, qui permet d'assigner un score à chaque individu en fonction de son génome. On teste la première fois si l'algorithme est terminé, donc on peut définir plusieurs conditions de terminaison. Est-ce qu'on a atteint par exemple 300 générations? Est-ce qu'on tourne depuis 3 heures? Est-ce que la moyenne des meilleurs individus dépasse un certain seuil? On peut définir plusieurs conditions comme ça. Donc si ce n'est pas terminé, on commence à rentrer dans une itération où on va sélectionner les meilleurs individus qu'on aura évalués. Après cette sélection, on va prendre des parents de A2 et on va générer deux enfants. Et on va croiser le génome des parents avec plusieurs points de croisement et on va générer des enfants. On va voir tout de suite comment ça se présente. Éventuellement, on peut muter certains gènes au sein du génome de certains individus. Et on réévalue. On réévalue la population résultante. Et des conditions de terminaison sont satisfaites, on peut décider de terminer l'algorithme tout simplement. Donc dans le détail, la sélection. Alors, il y a plusieurs façons de sélectionner des individus. Hein. Les plus connus, c'est le roulette wheel. Donc c'est vraiment, on divise sur un camembert les scores de chaque individu. Donc c'est-à-dire que les individus sont d'autant plus forts qu'ils ont une surface plus grande sur le camembert. Donc c'est comme si on faisait tourner une roulette russe et comme ils ont une plus grande surface, ils ont d'autant plus de chances d'être sélectionnés pour la génération suivante. Donc ça c'est le principe de roulette wheel. On a aussi un exemple qui est le tournoi. On va
ça n'a rien à voir. On va par exemple sélectionner deux individus dans la population au hasard. Et la plupart du temps, parmi ces deux individus, on va sélectionner le plus fort. Quand je dis la plupart du temps, on peut définir une probabilité de sélection de 90%. Mais on décide par exemple que dans 10% des cas, on va prendre le plus faible. Et donc, une fois qu'on a sélectionné l'individu, on l'ajoute à la génération suivante. Donc ça, c'est une méthode de sélection. Ensuite, on va procéder au croisement. Donc, comme je vous ai dit, en fait, on va définir des points de croisement. Donc dans cet exemple, il y a un point de croisement. Donc, c'est assez simple, on a deux parents, et donc le premier enfant a la partie gauche de son père et la partie droite de sa mère, et c'est la même chose pour le second enfant. C'est très simple, on peut définir 10 points de croisement si on veut, il faut juste que la taille du génome s'y prête. Hein. On ne peut pas définir 10 points de croisement s'il y a 9 caractéristiques dans le génome. Voilà. Là, on a un point de croisement, c'est assez simple. Ensuite, la mutation. Alors, la mutation, c'est quoi? On va prendre un gène au hasard sur un individu, et on peut décider, selon une probabilité, on appelle ça le taux de mutation, de muter ce gène. Donc le taux de mutation, c'est de l'ordre de quelques pourcents, hein, c'est de 1 à 5%. Et donc on va dire, voilà, si on est dans ces 1%, on va prendre un gène d'un enfant et on va le muter. Voilà, une valeur complètement aléatoire. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, on se rend compte de temps en temps que les croisements ne suffisent pas. La population se retrouve dans ce qu'on appelle un optimum local. C'est-à-dire qu'on constate qu'on ne va pas aboutir à une solution satisfaisante pour le problème. Donc on va décider de muter certains individus qui, s'ils sont plus forts après mutation, vont servir d'inspiration à la population qui se retrouve coincée dans cet optimum local et donner une nouvelle voie à cette population grâce à ces individus mutés. C'est vraiment une opération très importante en fait. Sans ça, c'est qu'on se rend compte que les algorithmes convergent pas forcément. Il y a un vocabulaire, donc on dit qu'un algorithme converge s'il aboutit à une solution optimale, ou sinon il diverge. Alors l'évaluation, comme je vous ai dit, en fait, on va implémenter une fonction de fitness. Alors, le langage que l'on utilise pour la fonction, vraiment, c'est complètement libre. Hein. Nous, on gère voilà, Java, Scala, R, Python, JavaScript. Et en fait, le principe, c'est quoi? C'est la fonction doit comprendre de toute façon le génome de l'individu, et en fonction des caractéristiques courantes de l'individu, va calculer une note pour cet individu. Et cette note va servir de point objectif de comparaison entre chaque individu et la population. Et grâce à toutes ces notes qu'on aura calculées, on va pouvoir sélectionner, selon la méthode de sélection, les meilleurs individus pour la génération suivante. Et là, enfin, la terminaison. Donc, comme je vous l'ai dit, on peut définir plusieurs conditions de terminaison. Hein. Si on a atteint un maximum d'itérations, donc 300 générations, par exemple, l'implémentation qu'on va avoir par la suite, pour les fusées, il y a 300 générations. On peut dire, voilà, la moyenne de l'élite dépasse un certain seuil, ou l'algorithme tourne depuis 3 heures, on va s'arrêter là. C'est assez simple. Donc, le cas pratique est assez... assez ludique, en fait, c'est les smart rockets, c'est un cas assez connu dans les algorithmes génétiques. En fait, le principe, c'est quoi? C'est des fusées doivent contourner, c'est assez simple, hein, doivent contourner un obstacle pour atteindre une cible derrière. Donc, comment on modélise un problème comme ça? En fait, on va, dans le génome de chaque fusée, on va encoder l'ensemble des vecteurs unitaires d'accélération de la fusée. Et en fait, l'ensemble de ces vecteurs, va constituer la trajectoire de la fusée. Et donc, en termes de fonction de fitness, il y a deux points à prendre en compte. Donc, comment on va évaluer un individu comme ça? Donc, déjà, on va dire le score d'un individu d'une fusée est d'autant plus fort qu'il se retrouve proche de la cible à la fin de son mouvement. Et il y a un deuxième point à prendre en compte. Si une fusée touche l'obstacle au cours de son mouvement, il doit être fortement pénalisé. Donc là, je vais vous montrer une image, ça sera un peu plus clair. Donc, on a les fusées en bas, l'obstacle, le rectangle, et la cible derrière, le carré. En haut, c'est juste l'évolution des fitness des individus au cours de la simulation. Donc,
au début, en fait, je vais vous montrer l'animation juste après. On va voir les fusées, elles ont un mouvement très erratique, puisqu'on génère la population aléatoirement. Et au fur et à mesure du temps, on va constater que les fusées vont apprendre à contourner l'obstacle pour atteindre la cible grâce à la fonction de fitness. Donc, attention, ça va aller assez vite. Là, vous voyez les fusées en bas, là. Voilà, au début, elles ont un mouvement complètement erratique, comme ça. Alors là, j'ai accéléré un petit peu parce que ça peut durer quelques minutes. Au bout d'un moment, elles apprennent à contourner l'obstacle et rejoindre la cible. Donc là, on voit qu'il y a 300 générations à peu près, hein, au cours de la simulation. Mais on constate que ce problème, en fait, au bout de 70 générations, ça converge. En gros, les fusées arrivent à contourner l'obstacle et atteindre la cible derrière. Le deuxième cas que je voulais vous présenter, en fait, c'est donc la sélection de sites touristiques. Donc, si on prend une agence de location de voiture, elle veut s'implémenter sur le territoire français, elle a plusieurs sites possibles à choisir. Donc elle veut optimiser le placement de ses agences. Donc en termes de modélisation, on va définir au niveau du génome une séquence de bits entre 0, enfin 0 et 1. Et en fait, 1 veut juste dire, voilà, l'agence est présente sur ce site. Une agence sera présente sur le site à la position donnée. Donc c'est assez simple, c'est une séquence de bits. Alors, par contre, en termes de fonction de fitness, c'est un peu plus délicat. En fait, on va s'inspirer de ce qu'on appelle la modélisation d'interaction spatiale. C'est-à-dire qu'en gros, c'est des modélisations qui tendent à expliquer l'influence géographique de certaines activités par rapport à d'autres sites. Et aussi le taux de propagation de certains sites par rapport à d'autres. Il y a toute une théorie là-dessus, je vous invite à regarder, il y aura les liens de toute façon en ligne. Mais en gros, pour cet exemple, on va se baser donc sur la mesure d'attractivité de chaque site, le nombre de sites touristiques, bien sûr, le nombre de concurrents au niveau de chaque site. Chaque site est aussi regroupé en régions. Et on a aussi les temps de transport entre chaque région. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte dans le calcul du score pour la fonction de fitness. Et en fait, le modèle d'interaction spatiale, c'est ça, c'est une formule comme ça. Ça peut faire peur au début, mais finalement, c'est pas si compliqué que ça. En fait, on a la dépense moyenne de chaque catégorie sociale dans chaque zone. On a le nombre de catégories sociales. On a la mesure d'attractivité subjective de chaque zone et la distance entre chaque zone et le temps de transport. Et en fait, on a cette formule-là qui vraiment dérive vraiment de la théorie des interactions spatiales. Et en fait, on va calculer une expenditure en anglais. Et en fait, la fonction de fitness, ça va être de maximiser toutes ces expenditures sur toutes les zones et tous les sites en France. C'est vrai que je comprends que c'est un peu abstrait, mais là, je préfère vous montrer un cas plus concret que les smart rockets, parce que souvent on se demande, ok, mais le cas des smart rockets, c'est bien gentil, mais à quoi ça sert les algorithmes génétiques? Là, c'est vraiment un cas concret qui est utilisé pour optimiser le placement d'agences sur le territoire grâce à ces données-là. Donc, en termes d'exécution, c'est assez simple. En fait, on constate qu'au bout d'une trentaine de générations seulement, on arrive à optimiser le placement. On voit que le fitness moyen stagne très très vite. Donc on constate que c'est vraiment une méthode de développement génétique pour trouver très rapidement des placements optimisés de sites sur le territoire français. Donc en termes d'animation, on voit que ça va converger assez vite. Là, on a une simulation de plusieurs dizaines d'agences sur le territoire français. Au bout d'une trentaine de générations, en fait, ça va aller assez vite, ça va stagner tout en haut, voilà. Voilà, donc je sais que c'est un peu dense, n'hésitez pas si vous avez des questions. Moi j'ai lentement deux questions. Ouais. La première question c'est un système de suggestion, est-ce que c'est
peut être basé sur ce genre d'algorithme. De suggestion par exemple. Par exemple, les moteurs de recommandation d'Amazon, c'est ça? Ce genre de choses, oui. Bon, ça, c'est vrai qu'on a tendance souvent à confondre un peu le machine learning et les algorithmes génétiques. Il faut bien comprendre que le machine learning, c'est voilà, c'est l'apprentissage par les machines, hein, comme son nom l'indique. On a des données d'entrée en continu et on. Les algorithmes de machine learning vont fournir des recommandations. Là, c'est des algorithmes d'optimisation. On va essayer de trouver une solution optimale à un problème. Et à la fin, bah, c'est pas en continu. Hein. C'est comme si on lançait un batch. Et à la fin, on trouve un ensemble de solutions optimales. Après, c'est vrai qu'on peut effectuer des suggestions, mais il faut voir. Tout dépend de la modélisation initiale, en fait. C'est vrai qu'à moi, j'ai pas entendu de ce genre d'application. Souvent, ce qu'on voit, c'est dans l'industrie automobile, l'optimisation de pièces de carrosserie pour optimiser le coût de fabrication, la résistance du matériau. Enfin, on a vraiment plein de compromis à avoir. On a plein de compromis. On veut utiliser des algorithmes génétiques pour trouver le meilleur compromis, la meilleure pièce de carrosserie. Après, les suggestions, j'ai pas trop entendu parler. Tout ce qui est interaction spatiale que je vous ai montré, c'est très utilisé. Voilà, donc c'est dès qu'on a besoin de trouver une solution approchée rapidement, on utilise des algorithmes génétiques. Tu as peut-être une deuxième question? Merci.